Ouvrez avec nous l'album photo de l'histoire du Québec. Entourée de la photographe Valérie Jodoin-Quitten et du sociologue Jean-Philippe Poirenne, j'ai retrouvé des photos de lieux qui ont bien changé depuis autrefois. Alors, cette photo rappelle l'époque où il y avait un funiculaire. C'est qu'on n'a pas l'air d'être à Montréal, mais là, pas du tout. C'est une des plus belles images que j'ai vues d'archives. Retournons ensemble sur le terrain pour voir et comprendre ces mutations. On ne pourrait pas soupçonner qu'il y a déjà eu un village ici qui a eu 1500 personnes. À quoi pouvait ressembler le parcours d'un agriculteur qui partait de l'île Bizarre? C'est un trajet qu'on pourrait décrire comme épique. J'ai sauté dans le temps quand j'ai vu ça. C'est un beau clin d'œil au passé. Absolument. De l'hôpital. Absolument. À travers l'œil de notre photographe et de nos spécialistes, voyez comment ces lieux ont changé de visage. C'est vraiment une belle photo, toute contemporaine et pourtant qui respire le passé. Afin de redécouvrir ces lieux avec une nouvelle perspective, joignez-vous à nous pour la nouvelle saison de Avant-Après.